Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec quelqu'un que vous avez vraiment beaucoup demandé, un énorme joueur de 3 mousquetaires. Il a 14 ans, il est incroyable, il parle japonais, français, anglais, allemand, etc. Il est top 300 ladder à l'heure actuelle, il joue le vieux deck old school 3 mousquetaires, il est quand même top 300. Bienvenue à toi, Thug Life. Salut Naxiba, merci de me présenter dans ton chaîne YouTube, je suis content de te voir. Ça fait plaisir, ça fait grave plaisir. Et moi, on m'a beaucoup parlé de toi et ton gameplay en 3 mousquetaires. Du coup, j'ai un peu hâte de voir ça, je t'avoue. Sans pression, hein, sans pression aucune. Oui. Alors, toi, ça fait longtemps que tu joues les 3 mousquetaires? Oui, ça fait un an, je pense, environ. Ok. Est-ce que, du coup, pourquoi tu joues cette version-là déjà? Parce que j'ai pas le d'autres niveaux pour j'ai pas le niveau de la voleuse et ok et voilà parce que t'as pas le choix. Ouais, voilà, j'ai pas le choix. Ça marche. Quels sont les match-ups qui sont sympas pour toi sur ce deck? Alors sympa, je pense que le GR avec le lightning. Ouais. Ah oui, quoi? Le GR, il est bien pour toi? Ah d'accord. Oui, pas le tornade boule de feu avec ouais. Le lightning. Ok. Et mineur poison. Et aussi les mirror match-up de 3M. T'es trop confiant, c'est pour ça. Ok, super. Nice. Et les match-up que t'as vraiment... Enfin, si tu devais citer deux match-up que t'as pas que du tout galère. Envie de voir. Ouais. Que t'aimes vraiment pas. 2.6. Ouais, ah oui. Ouais. Et GR tornade boule de feu. Ok, ça marche. Et bah c'est parti, je te laisse lancer quand tu veux du coup. Let's go. Tu le connais lui? Non, je connais pas. Non, tu connais. Ok. Il joue boule de neige. Ouais. Potentiellement c'est le cochon séisme. Ouais. Ça va être relou ça. Ok. Là, je vais faire ça, il vient d'utiliser son boule de neige. Oula. Oula, oula. Ah oui. Ah, ça se trouve qu'il joue. Ça se trouve qu'il joue ballon, du coup, c'est pas bien que j'ai joué mon. Oh. Il joue boule de neige et zap. Et gel. Oui. Wow. Ouais. Ok. Bah, il a 3 petits sorts, on va être tranquille là-dessus. Ouais, ballon, bûcheron, ouais. Ouais, bon, c'est à tour. C'est déjà à tour. Oui, il a 3 d'élixir. Il a les battes. Ouais, qui va mettre. Oh, oh non. Oh non, la pompe. Oh. Oh, damn. C'est parce que j'ai utilisé mon horde au début. Ouais, t'aurais pas dû pompe, sachant que t'avais pas la horde en main. Je pensais qu'il jouait pas gel et il allait mettre un gros sort. Comme ça, je pouvais poser mon pompe, mais... Moi ça m'aurait surpris qu'il joue un gros sort, mais... Enfin je veux dire, il a déjà gel, zap et boule de neige quoi. Ah ouais, il joue mini PK aussi, il a pas le temps lui. Ok. Ah il joue zap. Il a zap aussi, ouais il va zap là. Oh. Ok, bah au milieu tu grattes hein. Là il a plus rien hein. Oui. Il a nul hein. Oh là là ce zap. Ok. Il a que 3 d'élixir là, il vient d'arriver à 3. Et j'ai mon horde, oui. Là je vais plus pomper, je vais mettre mon 3M. Ah, l'avantage c'est qu'il peut pas te les chercher quoi, il va ballon à droite, ouais. Il a gel. En main. Il va geler sûrement. Ah non, ok. Bon, il a quand même son gel en main, à tout moment il peut geler. Oui. Mais... Ok, il a gelé à gauche, tant mieux. Hein. Oh, à droite, okay. Tu merdes. Ok. Peut-être qu'il va mettre un ballon. Ouais, je pense qu'il a tenté pour le tout à droite. En tout cas, il a son bûcheron, son ballon bientôt, il a 6 DX. Hein. Oui, mais là, il a pas encore le gel en cycle, du coup. Non, mais il va aller le récupérer. Hein. Ouais. Là, il l'a récupéré. Je sais. Ah, il a gagné. Ah, dommage. Est-ce que le fait de 3M
Ici, enfin, t'aurais dû partir agressif là, non? Fallait pas chercher le roi? C'est vrai, mais je pensais qu'il allait tout défendre, genre. Ouais, parce ouais. qu'il a zap et boule de neige. Je comprends. C'était juste le début. Ouais, le début qui était. Mais sinon, tu Oui. pouvais le gagner celui-là. Je pense que t'avais un Oui. bon match, je pense, là. Oui, c'était un bon match. Mais clairement, le début, il a fait trop mal, quoi. Tu vois la pompe qui disparaît en plus, mais non. Oui. Ouais, c'est pas grave, c'était marrant. Putain, mais ça sent que t'es à l'aise hein, sur tes mousquetaires. Hein. Ouais, ça va. Gang. Ça peut être du 3M. Hein. Oui, ça peut. Ah Ah, non, il joue lockbait. du lagbait, ok. C'est dur pour toi ce match-up, non? Oui. Ouf. Oh, ouf. Ah, ouf. Surtout si il joue boule de neige. Ouais. Elle passe de bûche. Ah, bah Ah, je voilà. peux. Oh mon dieu, les dégâts, quoi. Dart, ok. Sûrement la version Prince. Ah, c'est raté. Il est pas évident le Dart, il est pas évident. Ok, Rocket. Ouais. Donc il lui reste Prince, et après il a récupéré Gank, Princesse, Riponce. Ok, ça va, il a raté le Prince. Oui. Donc il a la boule de neige en main aussi. Ok, il a de quoi roquette, il peut roquette potentiellement. Non, il préfère bourrer à droite. Ok. Ok, super. Mais Ok. non! Mais quel joueur! Char, tu l'as fait quoi! Waouh! Je disais rien parce que c'est un match qui va tellement vite que tu sais, je voulais essayer de focus. En fait, tu as dit, je tourne autour de la boule de neige et sa princesse, si elle arrive pas à connecter ma horde, je suis bien. Oui. Pourtant, je pensais vraiment que ça allait être vraiment super dur et que t'allais pas pouvoir passer. Oui, au début, je galérais. Oui. Bah, c'est pas un match facile non plus. Hein. Alors, squelette, ça peut être du. Non, ok. Ah, il joue ballon peut-être. Ballon, ouais, sûrement ballon. Un petit ballon TDE mousquetaire. Ouais, c'est Oui. ça. Ah. C'est un bon match-up, ça, pour le coup. Oui, c'est un bon match. Elle va rajouter 100 000. Un coup, on le prend. Mais sinon, j'ai l'avantage en élixir du coup. Ouais. Vous êtes à 5 tous les deux, mais il va devoir def à droite. Ok. Oui. Ah, j'ai squelette, squelette. D'accord. Ah oui. Quelques dégâts du Bah. coup. Hein. Bah, oui, quelques beaucoup. Ouais. Donc là, il a la boule de neige, le fuit de barbare. C'est bizarre qu'il n'ait pas utilisé. Et le golem de glace en main. Là, je pense qu'il va utiliser son ballon. D'accord. Je sais pas trop. Ouais, c'est possible. Mais... En tout cas, il a la boule de neige. Ouais, ok. Ouais. Voilà, Ça va, hein? on va bien placé. C'est pas mal, hein? Ouais. Et je vais counter. Oh, ça lui Ok. coûte cher, hein. Il a Et 0 il y a d'élixir le là. pompe. Ouais. Et j'ai le pompe. C'est ça. Et lui, il est à 2 d'élixir.
Bien joué ça. Il est toujours à 2 d'élixir. Il a 1. Ouais. Et là, il vient d'utiliser mon boule de neige. Ouais. Il est sans boule de neige, du coup, je pourrais prendre le ballon tranquille avec le Arne. Ouais. Tu as mousquetaire là? Ouais. Oui. Je suis en avantage. Ok. Là, comme j'ai dit, je peux défendre avec le Arne. Ouais, t'as raison, parfait. T'avais pas besoin de faire des bons placements, c'est nickel. Oui. Là, il doit. Ok, il a réutilisé sa boule de neige. Parfait. Et là, il a rien pour. Non, une carte, ouais. Il a récupéré boule de neige. Oh, ok, parfait. Oui, mais... Ouais, c'est nickel. Non, mais je te dis juste, hein, comme ça, tu. Oui. Ça peut t'aider. Ah, nice. Mais quel joueur. Et là. Ok. Il y a 10 qui regardent. Il a récupéré sa boule de neige. Ah, ouais, j'avoue, t'as du spec. Hein. Oui. Ok. GG. Enfin, tu sais, t'en auras des milliers sur la vidéo. Hein. Ok. Wouah, allez. C'est bien ça. Bon, c'était la première fois qu'on avait un match-up. Ouais, il était cool ce match-up. Oui. Bien aimé. Comme tu l'as dit, hein, faut vraiment que tu tournes autour de la boule de neige et le reste. Oui. Ça va. C'est si on se fait pas rester par le boule de neige, sinon. Oui, il faut jouer. Enfin, c'est tranquille. Il joue 2.6. Ah, tu le connais? Oui. Ah, t'arrives c'est à lire les caractères, toi? Oui. Ah, ouais, c'est bien, ça ressemble à du 2.6. Oh mon dieu. Le pire match-up, quoi. Ah non? Ah non. Ah, pas du tout? C'est de l'Acebo. Hier, je jouais 2.6. Bon, Acebo, c'est pas forcément mieux, hein, pour toi. Je vais attendre. Ok, super. Il a 4 d'élixir. Vous avez autant, sauf que t'as une pompe. Oui, du coup, je suis en avantage. Il a récupéré sa roquette, sa bûche, ses squelettes. Soit le rocket, soit lui. Ah non. Là, il va def. Ah bah là, je pense qu'il va rocket quand même. Ouais. Ah. Donc. Le Belly, il connecte. Ouais. Au moins. C'est ça, tu mets des bons dégâts quand même à gauche. Ok, bah il a pas la rocket, ouais. Ok, ok. Il va arc-x défensif ici, sûrement. Oui, je pense. Ouais, ok. 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 Pas mal. Je pense qu'il roquettera pas. Il va la garder pour les mousquetaires. Il a l'arc-x en main, évidemment. Il va peut-être tenter de le mettre à droite. Ouais, ok. Et peut-être qu'il va t'en mettre. Bah, il garde cette ornette pour ta horde, je pense. Oui. Il a un stand tornade. Ok. Là, je fais que de défendre. Il a récupéré sa bûche. Ouais. Ok, il a cliqué à Eternal. Et il a plus le game de glace non plus. Ah non. Merde. Mais non. Mais non, je pouvais counter. Mais oui. C'était jouable là, c'était le timing. Oh non. Oh dérive. Oh, franchement, c'était ton moment quoi. Oui, c'était mon.
C'est un bon match-up. Ah, tu trouves qu'Aizbo, c'est un bon match-up? Oui. Je fais que de kit. Enfin, si, c'est du Rocket. Ah ouais, ok. Je fais n'importe quoi. Ok, mineur. Barbare. Il joue peut-être le joueur le de Rémi Eli. Il joue quoi? Vous connaissez Rémi Eli? Non. Ah, c'est un joueur lockbait français. Ah non. Ah, Rémi, oui, oui, ok. Oui. Il joue. Ah, il joue les la baronne. Bah ça c'est du molosse hein. Oui c'est du molosse. Donc en théorie il va jouer un poison potentiellement si tu poses une pompe. Et je pense que cette version n'a pas de fido par barre. Et si ouais. J'ai de la chance ouais. il a même pas de grosseur. Ah apparemment il en a pas. Apparemment. Peut-être il le garde pour le horde. Ouais. Ce qui serait pas déconnant. Après, toi, tu peux gérer facilement le bébé dragon, donc je sais pas. Là, s'il a... Ok, machine vraiment. Ah non, il a rien. Enfin, il a pas de grosseur. Il a juste le boule de neige, je pense. Ouais, ok. Merde. Oh, ah, ouf. Ça coûte cher, ça. Oh, la machine blanche. Oh non. Oh, je fais de la merde. Ah, oh, t'étais bien. Oui. Bon, ça va, ça va, ça va. J'ai assez gratté de l'autre côté. Donc ouais, il a pas de grosseur, il a que boule de neige. Je veux être sûr que je... Comment dire? Je prends cette tour. Oui. Parce que là, en vrai, tu peux les packs. Je vais full def. Ouais, ouais. T'as quand même de glace, minière, etc. pour tempo. Hein. Oui. Ok, ok. Je pense que c'est... Ok. Ok, vous avez autant d'élixir. Je vais reposer une pompe. La seule chose qu'il a pour punir, c'est les mineurs. Je pense qu'il va tenter d'en envoyer un, mais... Après, tu peux remettre les 3M derrière, tu t'en fiches. Oui. Et je continue à faire ça jusqu'à que j'ai assez d'élixir pour attaquer. Ouais, ouais, ok. Attends, là. Oh non, le... Ah. Okay. C'est pas très grave. Le de glace. Zap. Ça va, ça va. Ah non. Bon bon. Ok. Là, je vais commencer à mettre les deux côtés. Il va me laisser son map, ouais c'était sûr. Okay. Je vais séparer ça. Ok, barbare. Et là il va mettre son méga gargo. Ouais, bien joué. Ouais, super. Nice. Faut faire gaffe les barbares sur ton roi quand même. Oui. Je vais refaire ce mouvement là. Ok. Tu mettrais pas qu'il molosse devant sa machine volante? Ouais. C'est fait. Ouais, super. Il a le bébé dragon en main, il va sûrement le poser sur ta horde. Il a pierre tombale qui va poser également. Ok. Et là, je suis en avantage, du coup, je repose mon 3M. Et je continue à faire ça. Quand j'ai mis le last golem trop tôt. C'est pas très grave. Ok. Il a son molosse qui va sûrement reposer devant, il a son bébé dragon. Ok, il est posé. Il y a les barbares également qui va poser à droite. Ouais.
Ok. Il reste 57 secondes. Oui. Oh génial. Là il va snowball. Vive la règle. Allez. Wouh. Ok. Si je perdais ce match-up. Oh ouais, j'avoue qu'il était. Il était c'était ton match-up ça. Alors MG, c'est pas du géant royal, c'est pas du goulem. Ah, sûrement du goulem. Peut-être. Ouais, Icebo. Ouais. Oui, Icebo. Parce que je m'en demande aussi. Golem. Ou le géant royal. Boule de feu. C'est possible. Mais je pense que c'est du non, golem. Non, plutôt golem, ouais. Ah là, il doit encore défendre. Ouais. Ouh. What? Ah, je GR. Sûrement GR, alors. Ouais. Après, t'as des versions de golem qui jouent sur son casque, mais... Oula. Il est mal en élixir, il est très mal en élixir. Enfin, ouais. Il atteint. Il vient 8. De jouer son. Il vient de jouer son. Son. Tu vas barbare. Ouais, ouais. Éternel. Ok, je joue son éternel. C'était ok aussi, Pierre. Bon. Pierre tombe mal, ok. À la limite, je peux repompe là, non? Oui. Ok, gère. Bédrag. D'accord. Je vais attendre jusqu'à que Bédrag ouais. Il ouais, soit. C'est ça. Hop. Ouais. Ok, super. Il a pas d'élixir pour le poule de feu, je suppose. Non, non, il peut pas. Il avait pas d'élixir. Il était à 1 quand il a posé. Et là, il doit utiliser encore le tornade, du coup, je fais. Voilà. Ah, oh, bien joué. Et là, il a super. Pas d'élixir. Il a plus rien. Et là, il va fuir au barbare. Waouh! Mais quel joueur! Mais c'est fou ce que tu viens de faire. Ok. Allez, un tour. Allez. Il a 4 d'élixir. Je vais repompe. Il va gérer à gauche, j'imagine, bébé drag derrière. Oui, il va boule de feu sûrement. Ok. Non, même pas. Il joue lightning. C'est possible. Je sais pas, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre qu'il boule de feu. Ok, foudre, t'as raison. Ok, je foudre. Bon, je vais reprendre du coup. Et là, je pense qu'il est obligé de mettre un autre GR à la gauche du coup. Bah, soit ça, soit il garde pour la foudre. Ouais. GR. Okay. Allez. Oh de... Ça joue à rien. Ah, t'as Belly en plus. Oui. Tire ton balle. Ok. Bon, après, t'as 3 points. Hein. Ouais. Ok. Ok, ok. Ça va chier encore. Je vais repompe. Et là, je vais essayer de remettre un 3. Ok, il a plus de pierre ton mal. Il récupère, il a sa foudre. Ouais. Bon, il était un peu raté par contre, sa foudre. Oui. Ok. Je repompe. Il récupère sa foudre dans deux cartes, une carte. Et il a sa foudre de nouveau. Ok, ok. Ok, on va l'utiliser. Aïe. Ok, 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 c'est bon. Mon dieu, c'est tellement chaud. C'est tellement chaud, ça. Ok. Et je vais re-3M. Ah, il y a 10 spectateurs, pareil, en live. Et... D'accord, d'accord. Je vais...
Là, il a plus la sorcière de la glace et il a plus. Ok. La. Il utilise la foudre aussi. C'est pas mal ça. Oh. Et il a le lock-on sur le barbare. Allez, allez. Il gargouille. Oh. Pas encore. Okay. Non, là, il a pas encore fait. Non, il a pas encore. Il vient. Qu'est-ce que j'ai fait? Il utilise le fuite barbare à gauche. Oui. Oh non, je voulais kite. Il a utilisé la foudre. Il a plus le fil barbare, il a plus la foudre. Là, il va mettre un tornade. Par contre, il a récupéré tornade et sorcier glace. Ouais. Ok, le fil barbare. Ah bon, il a encore. Ouais, il a. Allez. Un petit coup. Ok, il a plus le fil barbare, hein, toujours pas. Oui. Il récupère 22 cartes. Allez! Oh, allez! Oui! 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 Eh bien, c'est pas de tourpeau de jouer trois mousquetaires, je vous le dis. Oui. Ah, merci beaucoup, Saglaï, ça fait plaisir. Oui, merci. Bon, t'inquiète. Est-ce que tu aurais des conseils, des tips particuliers sur les trois mousquetaires, toi qui les connais bien? Pour les gens qui ont envie de jouer trois mousquetaires. Comme j'ai dit. Faut bien bait, genre si on bait un grand sort, genre ouais. Pour le feu, foudre, poison, sur trois mousquetaires il faut pompe, et si tu bait le pompe il faut mettre le trois mousquetaires, ou le meilleur truc c'est quand tu bait les grands sorts avec le odds, du coup t'as deux options comme poser le trois mousquetaires ou le pompe, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr. Du coup. Et il faut savoir où te faire ça. Ok. Puis c'est comme tous les decks, j'imagine, c'est quand même un deck où t'as besoin de connaître les match-up, savoir exactement contre quelle carte tu vas tourner autour, etc. Typiquement, tu disais que Ice Bow était un bon match-up. Comment tu abordes ce match-up, toi? Alors, je prends. D'abord, je pompe, et je mets 3M. Normalement, et là au bout d'un moment il peut plus défendre parce que je suis en avantage élixir. Mais quand tu pompes, il roquette lui. Oui, il roquette, et là je pose mon 3M. Ouais, non, en fait, c'est où comment dire, où il fait un Arc-X agressif. Ouais, faut bien défendre. Ok, et là t'as vraiment l'avantage en élixir. Comment tu le défends avec ce deck Arc-X quand il le pose? Alors, Ice Golem. Ouais. Et Ice Golem mineur, où je prends le target soit Ice Golem ou soit soit Bélier. Ouais. Et si besoin, Gang. Et normalement, il faut pas mettre. Si on n'est pas sûr que. Si on est sûr que il n'y a pas le tornade en cycle, on peut mettre le Horde agressif sur le. Enfin, Horde sur le Arc-X directement. Ok. Ouais. Oui, bien mais sûr. Mais s'il a le tornade en cycle, il faut d'abord attendre que les troupes viennent dans le bridge. Pour ouais. Les troupes où ils défendent l'Arc-X. Ouais. Avance. Et là, il faut défendre avec le Horde. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Tu temporises un peu au golem de glace, oui. Bélier de combat, etc. Une fois que son AMG, son sorcier de glace, etc. sont au niveau de ton pont, oui. Cette fois-ci, là, tu envoies directement tes troupes, genre la horde, etc. Oui. Et t'hésites pas à faire du zap pour retarget en cas de besoin sur l'Arc-X, oui, et t'envoies ton mineur dessus. J'hésite pas aussi mineur. Ok, super. Bah, c'est très clair. Merci, bah, merci beaucoup, Saglife. Merci. Bon, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à demander également des conseils particuliers. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir.